Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 166 des Poké News. Et aujourd'hui, Poké News principalement sur Minecraft, sur des Lego, des packs de skins, la 1.13, Minecraft Bedrock et la Minecon. Tout d'abord, plein de nouveaux Lego Minecraft sont sortis, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Passons ensuite au pack de skins Star Wars qui sort eh bien sur MC Bedrock avec plein de skins. Sur le thème bien de Star Wars qui est vendu à peu près à 2,70 €. Les mises à jour sur Minecraft Bedrock seront plus bien fonctionnelles. Passons ensuite à l'Aquatic Update qui sort sur console, la dernière mise à jour qui sera sur Minecraft Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita et Wii U. Voilà. Et ça sort également sur PS4, mais bon, sur PS4 il y aura quand même des nouveautés dans le futur. Cela rajoute les dauphins, les fantômes, les tortues, les morues, les saumons, les poissons globes, les tropical fish, les dronèdes, tout ce qui est nouveau biome, nouveau bloc, nouvelle fonctionnalité. De toute façon, vous connaissez tout ça, pas besoin de vous faire une liste. Sur Minecraft Bedrock, il y aura un serveur dédié alpha pour eh bien des tests. Je pense. Il me semble que c'est pour les tests, mais bon, pas très très intéressant. Pour tester également des data packs. Ensuite, à propos, le truc le plus important de ce Poké News, c'est la Minecon Earth qui sortira et qui sera, eh bien, en 2018, fin 2018, le 29 septembre justement. C'est dans bientôt. Vous pourrez choisir eh bien votre le biome que Mojang devra eh bien travailler le plus. Vous aurez choisi bien entre le biome désert, savane et taïga. Personnellement, eh bien, je préférerais j'aime beaucoup les trois biomes. Je me suis déjà installé dans ces trois biomes, donc dans tous les cas, ça sera super. Donc j'espère que ces Poké News vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Boyan5. Enjoy!